Et bonjour à tous, bon je viens de clôturer mon vlog de jeudi, enfin de mardi, mercredi, jeudi, il est en train de s'exporter sur YouTube, mais du coup j'en ai réouvert un parce que du coup je voulais faire les lasagnes avec ce que je vous ai fait voir là. Faut que j'arrête, enfin, j'arrête d'acheter des trucs veggie, c'est pas bon. Les trucs végétales, de viande, de machin, c'est pas bon. Alors les... attendez, je vous ai sale là. Les palets, tout là, veggie et tout, ça va là, avec les légumes, machin, là, panés. Encore, ça peut le faire. J'ai déjà bouffé des steaks veggie qui étaient bons, voilà. Mais alors ça, oh, c'était immonde. Et là, je me dis, vous voyez, il me reste ça de la même gamme. Ça me fait peur, hein. Je goûterai, hein, de toute façon je l'ai acheté. Mais alors je rachète plus quoi. Vincent il m'a dit mais arrête d'acheter des trucs comme ça. Donc du coup bah j'ai fait des lasagnes classiques. Voilà pour ce soir, pour la famille. J'ai fait des lasagnes classiques. Moi je vais pas en manger parce que j'ai déjeuné un croissant, un pain chaud qui est du pain. La fille, j'ai le ventre bien tendu, hein. Voilà. Et en plus de ça, je voulais aller courir aujourd'hui. Mais franchement j'ai pas eu le temps. J'ai privilégié de faire à manger, faire mon vlog et de pas me presser. C'est compliqué hein, quand vous êtes de nuit pour allier le sport. C'est compliqué parce que mine de rien, ça vous fait pas trop de créneaux. Mais bon, j'ai quand même couru déjà deux fois cette semaine. C'est pas non plus pourri comme chose. Je vais courir demain et puis après j'ai ma course dimanche. Je pense que la course de dimanche, je vais y aller en mode plaisir. Pour moi, j'ai déjà battu mon RP quand Bérangère est venue me voir. Donc là pour dimanche bah, je vais y aller en mode plaisir. En plus je vous ai dit il y a Papy Denis qui fait les 5 km libres après moi. Donc voilà, je vais vraiment y aller pour le plaisir. Je vais donner bien sûr mon maximum. Et puis voilà, j'ai pas eu les conditions physiques cette semaine pour vraiment faire un entraînement de foufou par rapport à la course de dimanche dans le but de battre à RP. Mais bien évidemment que je me fais confiance et je sais que les 10 bornes je vais les faire comme ça, mais peut-être pas dans le temps que je voudrais, mais c'est pas grave. Je vais y aller pour plaisir à cette course. Mais par contre, demain soir, je... Faut absolument... Qu'est-ce qu'il me dit, mon petit mec? Faut absolument que... Faut absolument que... Que je cours. Hein, voilà, quand même, ça m'aura fait 3 fois par semaine, c'est pas mal. Ah, mes enfants arrivent. Vous entendez le bruit du portail? Mes enfants arrivent. Oui, Vincent est parti les récupérer, du coup. C'est lui qui y allait aujourd'hui. Je vais faire une salade, je vais faire ma sauce et tout là, et après je vais ranger tout hein, parce que je me foutu partout. Et moi je vais me faire une bonne salade composée ce soir. J'ai pas du tout envie de bouffer de lasagne. J'ai pas envie de manger chaud en fait. Donc je vais me faire une bonne salade composée pour ce soir. Voilà. Et je le mangerai au boulot parce que je sais que j'aurai pas faim. Coucou! C'est du pain du coup, petit goûter pour les enfants, raisin, petit tartine de beurre salé et un petit perrier avec du citron que j'ai coupé. Allez, vu que je suis une maman qui déchire, j'ai rajouté des petites fraises. Et un tout petit paquet de bonbons. Voilà. Retour de course, vous savez, je vous ai fait voir que j'avais eu ça en échantillon. Du coup, je l'ai goûté. J'ai pas aimé. Après, je pense que je suis trop habituée à plus mettre de sucre partout. Et du coup, dès que c'est trop sucré, j'aime pas. Et je trouve ça beaucoup trop sucré, du coup. Mais bon, après, c'est mon goût perso. Hein. Je me suis fait des petites fraises pour mon dessert de ce soir. Et j'ai pas mis de sucre, rien. Je me suis juste mis du citron. Donc là, il en reste, là. Voilà, ça ira bien. Elles sont très bonnes. Franchement, elles sont super bonnes, celles qu'on a achetées. Il n'y avait même pas besoin de rajouter de sucre. Ouais, on va pas se mentir, des fois on rajoute du sucre ou de la sauce ou de la crème dans certains plats juste par automatisme. Et en vrai, c'est ça qu'il faut perdre. Là, vous voyez les fraises, moi je les goûte toujours avant de rajouter du sucre. Parce que c'est vrai qu'il y a des fraises, il faut rajouter un petit peu quoi. Mais, ou alors, par exemple, si ben, nous on met de la chantilly, et je vais pratiquement pas sucrer. Ou alors, je vais mettre à peine de cassonade, vraiment histoire d'eux, mais vraiment infime. Et je vais et après par la suite je mets qu'on appelle ça, je mets la chantilly, il n'y a pas besoin de rajouter encore plus. Et quand vous voyez là je vais les manger comme ça, bah j'ai goûté, elles sont très bonnes, donc je vais pas rajouter du sucre. Mais faut perdre un peu ces automatismes et essayer de goûter sans, comme par exemple trop salé, tout ça. Je vous apprends rien, mais vous rajoutez des épices à la place du sel et bah des fois ça suffit. Donc bref, voilà. Écoutez, je continue de ranger, il est 5h, les enfants ont goûté, ils sont tous dehors. Je vais aller les rejoindre après. Mais là, je finis de ranger mon petit foin et de préparer mes gamelles et tout. Comme ça, après, je suis tranquille, je peux me poser avec eux jusqu'à ce que je parte ce soir. Je vais pas à la poêle encore aujourd'hui, du coup. J'ai pas assez anticipé pour partir. Mais je suis en train de dire à Vincent, je vais pas me... Enfin, c'est mon dernier mois de poêle, il doit me rester 3 séances, ça me fait chier de pas y aller.
Je vais essayer d'y aller jeudi prochain vu que j'ai que 3 nuits déjà. Et d'anticiper du coup que je parte à 6h. Et au lieu de partir à 20h, parce que ça se termine à 20h, je pars à 19h30, comme ça j'arrive là-bas et il y a une douche dans le vestiaire. Donc au pire, je prends une micro-douche et ça et quoi. Donc je vais faire ça la semaine prochaine, je vais écrire ce groupe pour leur dire, mais histoire que, ouais, je peux. Enfin, voilà, c'est compliqué. Si jamais j'arrive à avoir un poste fixe de nuit, ce que je disais à Vincent, il va vraiment falloir que je me pose des bonnes questions, à savoir si ça vaut le coup ou pas que je m'inscrive encore dans un groupe de pôle, ou est-ce que ça serait pas mieux que je fasse des cours individuels, parce que avec ma prof toujours, parce que compliqué, là vous voyez, ça me fait perdre quand même une demi-heure de cours. Après c'est que j'adore mon groupe de pôle et tout, ça me ferait tellement chier d'arrêter, mais si j'ai une trame fixe et que je vois que c'est le jeudi, c'est bon, tant mieux, mais c'est rare que vous ne travaillez pas quand même les jeudis toute l'année hein, à l'hôpital. Bah là, là on a une belle tête. Il n'y a plus rien qui tient là, il n'y a plus rien qui va les gars. Eh ben, bon, écoutez, j'espère que vous ça va. Moi ça va. C'est difficile aujourd'hui d'émerger. 4, ok mais pas 5. Ah là j'aurais été dégoûtée d'y retourner. Là, je vous dis, pas que ça se passe mal, mais parce que je suis fatiguée, que voilà, c'est bon, bien que j'ai du repos. Je vais me taper 40 heures. Donc, c'est bon, hein, 40 heures de taf. Donc, en 4 jours. On est vendredi 7 juin, il est 14h52 exactement. Je viens d'avoir ça au téléphone, pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va. Je viens de me taper 2 croissants. Impeccable. Oh, heureusement que je suis bien le reste tout le temps, parce que... Parce qu'il y a, c'est qu'il en restait deux et moi j'ai pas envie de jeter, donc du coup je me suis dit, vas-y, déjeune ça. De toute façon, j'avais pas grand chose, à part enfin, si j'ai des fruits. Mais j'ai pas grand chose, faut que je me refasse des déj là. Faut que je me refasse des déj et tout, parce que ça va pas, ça va pas. Je me suis pressé 2 oranges. Et voilà. Ah, si, il fallait que je dise ça. Dis Siri. Tu peux envoyer un message à mec, s'il te plaît. Que souhaitez-vous dire à mec? Est-ce que tu peux t'arrêter, prendre des croquettes pour Nala, s'il te plaît? J'envoie. Est-ce que tu peux t'arrêter, prendre des croquettes pour Nala, s'il te plaît? Merci. Voilà. C'était ça que je voulais faire. Donc bref, je me suis fait un petit jus pour me donner un peu de vitamine. Et puis, là, après, on va se motiver, les amis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Enfin, m'habiller, me prêter, Voilà. Je vais me mettre en tenue de sport pour vous tourner la vidéo Chine. Ça va pas être passionnant pour vous de me voir habillée comme ça, ni rien. Mais c'est qu'il faut que je cours aujourd'hui. Impératif, il faut que je cours. Voilà. Donc, c'est la première règle que je vais me fixer aujourd'hui, c'est ménage-toi. Le ménage, tout ça, ok, ça peut attendre. Et voilà, là, ma priorité est... Salut le canap! Ça fait combien de temps que je t'ai pas vu, toi? Bah alors, doudou? Bah bien, ça raide, voilà! Hein? Voilà! Je vais. La priorité, c'est qu'il faut que je filme ma vidéo Chine, parce que bah, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, faut que je la filme. Donc je vais me préparer. Et je sais plus, normalement, on avait dit avec Papy Tony qu'on devait se rejoindre aujourd'hui pour courir et tout. Je vais pas vous cacher que là, j'ai un peu la flemme de bouger. J'ai un peu la flemme de bouger, de courir et tout, mais. Il va falloir que je le fasse, parce que bah, du coup, c'est comme ça, hein, il faut courir maintenant, faut courir. Je vais voir avec Papy Denis, s'il me contacte, bah, j'irai courir avec lui. D'une, pour le motiver, parce qu'il faut bien que je le motive, mon papy. Et de deux, sinon, bah, je courrai sur le tapis, c'est pas bien grave. Mais c'est ma priorité. Donc là, je vais m'habiller, enfin, mettre en tenue de sport. Je vais vous tourner la vidéo chez Hen, bébé, chez Hen. Si j'ai le temps, je vous la monte dans la foulée. Et puis après, bah, du coup, je vais en faire un peu. Je sais plus ce qu'on mange ce soir. Je sais plus. Ma salade, elle est tellement bien passée cette nuit. Oh, j'avais fait une petite salade, vous savez, concombre, tomate, œuf et tout. C'était trop bien. Trop bon. Franchement, j'avoue qu'à 1h30, quand j'ai mangé, quand vous avez faim, mais vous déglinguerez tout. Tout. Donc heureusement que je me fais des gamelles saines et tout. Et je parlais avec une fille hier qui était avec nous. Et elle me disait qu'elle, de nuit, c'était compliqué parce qu'elle prenait du poids.
et que parce qu'elle grignote, elle dit j'arrive pas à... Elle dit j'ai trop envie de grignoter, tout, même quand elle rentre et tout. Et j'avoue que vous voyez, quand je suis rentrée là à 7h, j'avais un peu faim, j'aurais déjeuné quoi, j'aurais mangé. Mais il y en a peut-être qui mangent, hein. Moi je, non, je vais au lit direct, je suis fatiguée parce que je me dis que si je loupe le coche comme ce matin, bah, c'est un peu compliqué. Ce matin en fait, je me suis mise dans le lit, il était 7h02 exactement. Donc je commence à m'endormir et tout. Et les filles, elles n'ont pas du tout été discrètes. Entre Léonie qui parlait très fort, qui. Je sais pas ce qu'elle disait à sa sœur, mais bon, à mon avis, elle était en train de fâcher, entre guillemets, sa sœur, voilà, hein, de se prendre la tête avec. Maëvie qui rétorquait, Maëvie qui devait être fatiguée ou je sais pas quoi, je l'entendais chouiner. Raph qui arrêtait pas de brailler, bon, Raph après, bichette, il peut pas se rendre compte encore. Mais bon, bref, l'élan. Vincent, alors lui, je lui dis, mais il me dit, ah, il me dit, c'est l'habitude, il me dit, je suis désolée. Il avait ouvert tous les volets partout, vers les chambres des enfants, sauf qu'en fait, sous la porte, bah, ça me laisse passer le jour. Et moi, faut vraiment que ça soit 0000 lumière, rien du tout. Donc, bref, en fait, j'ai loupé le coche. Et à 8h10, ça m'a gonflé. J'arrivais toujours pas à dormir. Donc, je me suis levée, j'ai dit s'il vous plaît, faites doucement. J'arrive pas à dormir, je suis fatiguée. Et après, à partir de ce moment-là, ça allait un peu mieux. J'ai entendu qu'à 8h30, du coup, ils sont tous partis. Et j'ai dû m'endormir vers 9h parce qu'en fait, les nerfs m'ont pris. Et c'est les nerfs qui ont pris le relais. Et du coup, c'était difficile de. Bon, dormir, donc j'ai dormi de, on va dire, de 9h jusqu'à 14h. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait à peine 5h de sommeil, c'est pas lourd après 10h de taf de nuit, hein, on va pas se mentir. Donc écoutez, c'est pas bien grave, l'histoire. Je vais essayer de. Comment on appelle ça? Je vais essayer de dormir un peu plus tôt. J'ai dit à Vincent ce soir, quand je suis fatiguée, même si c'est 8h ou autre. J'ai dit à Vincent, faut pas que je loupe le coche et que je dorme. Parce que si je dors pas et que je loupe le coche, je vais rester éveillée, ça va être très très compliqué. Très très compliqué. Après, c'est surtout vers 18h, je pense que je vais avoir un coup de barre. Mais là aujourd'hui, je me sens fatiguée. Voilà. J'ai enchaîné mes 4 nuits, ça s'est bien passé. Je regrette toujours pas mes 4, pas plus. De toute façon, t'as pas le droit. Au niveau de la loi. Pas le droit, nous, de faire plus de 4 nuits d'affilée. Il y en a qui le font, mais c'est pas bien. Voilà, il y en a qui. Donc, même moi, en tant que stagiaire, quand j'avais eu ma cadre au téléphone, elle m'avait dit je vous le dis, mais normalement, vous devez pas avoir. Vous devriez pas faire ça comme trame. Les filles de nuit, elles font jamais 4 nuits d'affilée, c'est très rare. Voilà. Donc, écoutez, c'est que j'ai pas le choix parce que je peux pas faire de week-end. J'ai une tête, mais incroyable. On dirait que j'ai un petit carré, ça m'irait pas le carré. Là, on voit que ça m'irait pas un carré. Hein. Vous voyez bien? Ça me va pas, moi, ça m'irait pas un carré. J'aime pas. Et c'est sûr que là, j'ai plein de trucs à faire dans la maison, si je regarde un peu partout. Mais j'ai des jours de repos devant moi et ça ira. Sauf demain. Demain, journée. Demain matin, on se lève tôt parce que j'ai rendez-vous à 9h15 chez l'esthéticienne et après on monte à Saint-Tour dans la famille à Vincent et on va fêter la naissance de bébé Maxence, donc de le fils donc du coup de notre cousine et après on redescend pas trop tard parce que j'ai dit à Vincent moi le dimanche j'ai une course donc faut que je me lève tôt à nouveau et voilà je dis on a une journée parce que du coup forcément quand vous sortez de vos nuits toutes le lendemain vous vous relevez tôt le rythme et tout je pense que demain ça va être cocasse. C'est trop bien, ils ont mis plein de petits trucs comme ça vers l'espace de jeu, vers les enfants. Ils ont mis des trucs comme ça, c'est trop bien. Je suis arrivée chez ma nounou et je vais chercher Raphaël. J'étais chercher Maëvie à l'école, à la maison avec Vincent. J'ai filmé mon haul Shein. Je vais essayer de vous le monter pour demain. Et puis le vlog que je suis en train de filmer là, je vais le montrer pour ce soir. Je suis en mode sport. Je vais aller courir après. Papy Denis m'a appelé, il était motivé. Il m'a dit on va courir du coup ou pas alors? Oui. Non, en plus pour lui, il faut que je le fasse, pour le motiver. Attention à vous, c'est Vincent qui pilote. Qui fait le cuistot ce soir. Petite pizza de légumes pour ce soir. Il est en train de couper les courgettes. On a les petits poivrons en arrière-plan. Merci Nala.
les champottes, la petite sauce tomate. Et ça ira très très bien. Et la pâte, elle est en train de poser juste là-bas derrière. Voilà. Bon, je viens de finir de prendre ma douche, les gars. Je vais faire le montage de la vidéo sur Shein en premier, que je vais programmer pour demain, puisque demain, on n'est pas là toute la journée. Et après, je... Et après, je vais faire le montage du vlog d'aujourd'hui pour vous poster ce soir. Mais là, tout de suite, je viens de prendre ma douche. Je me suis fait, mais la totale. Petit gommage, petit soin, après shampoing, masque, la totale. Il ne manquerait plus qu'à me couper les ongles. Voilà, faut que je me coupe les ongles. J'aurais bien mis du vernis et tout sur mes yep. Mais je le ferai ce week-end, je pense. Déjà maintenant, on commence à dire oui au bonheur. Parce que là, tout de suite, je vais dire oui au bonheur. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver du bonheur? Je vais me faire un petit perrier avec un citron. Je vais le mettre dans mon truc là. Et vous savez, là, les trucs que j'avais achetés chez Action. Et je vais laisser infuser dans le frigo au frais pour manger tout à l'heure. Je n'ai trop envie. Donc déjà, je vais faire ça. Et puis après, Vincent est en train d'arroser. Je lui dis, mais ça va pleuvoir demain. Oui, mais il faut que j'arrose quand même ce soir parce qu'il fait chaud. C'est un truc de jardinier, je pense. Voilà. La pâte est là, en train de monter. Et du coup, on a fait le petit légume. Les petits chèmes pipi. Voilà. Et puis après, on va tout faire. On va faire cuire ça. Tranquillement, guingant. Il me dit, est-ce que tu veux manger du chorizo? J'ai commencé à faire la meuf. Non. Il m'a dit, tu vas pas me casser la tête. Tu vas manger 3 ou 4 rondelles de chaussisson maintenant. De chorizo, j'ai dit bon, allez. Ok. Donc je vais mettre du chorizo doux. Voilà. Et de la mozzarella. La mozzarella. Voilà. Et un petit peu de chèvre. Parce que j'aime bien le chèvre dans la pizza. Voilà. Ça ira très bien. Voilà. Écoutez. Après tout, j'ai fait qu'un repas aujourd'hui. J'en ferai pas cette nuit puisque le but c'est que je dorme cette nuit. Donc c'est pas bien grave si. Mais en fait, c'est pas que je fais attention à un point à réduire tout ce que je mange ou autre, loin de là, hein, vraiment. C'est que quand j'ai une course, je fais vraiment attention parce que je vous jure que bah, vous ressentez les effets en fait quand vous bouffez de la merde ou quand vous vous hydratez mal avant une course. Vous le sentez au niveau de vos conditions physiques et j'ai pas envie de ça. Donc c'est pour ça, après là, on est vendredi soir. Ça va, il y a quand même des choses assez saines. J'ai pas mangé aujourd'hui à part mes deux bofs croissants. Genre rien que ça déjà. Croissants, pizza de légumes. Très beau duo maintenant. Très beau duo. Mais voilà, après là, il faut que je reprenne un petit peu mes préparations du matin et tout. Mais là, c'est que j'avais pas la foi, puis il en restait. Moi, je jette pas, hein, je vais pas acheter. Vous me comprenez? En un segundo comprendí que era el momento que buscaba. Cuando te vi, supe que el destino te puso esta noche para mí. Y no me aguanté la gana. Ey, hagamos esto sin apuro. Que entre tú y yo siento un amor puro. Alejado de este mundo tan duro. Mira, c'est parti. C'est parti. Allez, Denis. Allez, tu vois, ça part. Allez, mon Denis! Allez, mon Denis! Allez, c'est bien! T'as fait la moitié! Allez, mon Denis, c'est bien! Allez, mon Denis, vas-y! Ok, il est dimanche, je sais même pas, mais je crois pas que je vous ai pris hier pour le samedi. On s'est levé le matin très tôt, j'avais rendez-vous à 9h15 chez l'esthéticienne. Après, on a été à la journée pour bébé Maxence, vous savez. Donc, j'ai pas eu le temps. On est rentré hier soir, j'étais KO technique.
On a mangé, on a regardé Marie au premier regard parce qu'on avait du retard sur les épisodes, étant donné que moi j'étais nuit. Et puis bah après, je voulais enlever ça. D'une main, ça va être compliqué, je pense. Et après, oh oui, attendez. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Il fait tout blanc. 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 On est... On dirait une psychopathe. Une psychopathe, la meuf. Oui, donc je vous disais. Enfin, je me mets dans la chambre parce qu'il y a la France qui joue. Alors, je ne vais pas faire trop de bruit. J'ai. Du coup, hier soir, on a mangé, on a regardé Marie au premier regard. Et puis après, bah, tout simplement, ce matin, je me suis levée et j'étais à ma course qui s'est extrêmement bien passée. Alors, par contre, on a eu du vent, on a eu de la pluie, on s'est caillé, mais je suis trop contente. J'ai battu mon record. Je crois que je l'ai fait en 58 minutes, 28, quelque chose comme ça, et 37 en temps officiel. Donc, j'ai encore battu mon RP. Quand je pense qu'il y a 2-3 mois je faisais 10 km en 1h04 et là que je suis à 58 minutes, je me dis que tous mes efforts me payent tellement. Et je vous garantis que je fais parfois des sacrifices parce que je me connais, et là j'en suis encore la preuve même aujourd'hui, mais voilà, je fais attention aux apéros, je fais attention à ce que je mange, je suis régulière sur mes entraînements, enfin voilà, je fais vraiment attention à tout puisque c'est un équilibre de vie et que je me connais. Je sais que si je mange n'importe quoi, que je fais ci, que je fais ça, je vais me sentir ballonnée, je vais pas me sentir bien. Et après, pour courir, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, bah, on le sait bien que alcool et malbouffe, ça fait pas bon ménage. Hein. La dernière fois, quand on était chez Ben et Manon, on m'a proposé plein de fois de boire l'apéro, mais j'ai dit non. Et pourtant, j'en avais un petit peu envie. Mais voilà, il faut savoir dire non quand on a des courses, quand on a des choses un petit peu prévues. Bah, faut savoir se raisonner, surtout quand c'est pas loin d'une course. Et encore hier. Pour la journée avec bébé Maxence, on m'a proposé je ne sais pas combien de fois de boire un coup, on m'a proposé je ne sais pas combien de fois de manger de la charcuterie, et j'ai dit non, voilà, j'ai quand même fait attention, enfin voilà, je sais que j'ai fait attention, c'est pas me priver, c'est parce que je sais que c'est pour ne rien regretter et pour apporter les résultats que je veux. Voilà. Bon là, du coup, ça y est, ma course allait passer. En sortant, il était plus de 11h10. Donc du coup, à la base, on avait prévu de faire un barbecue, mais il pleut des cordes. Donc du coup, c'était compliqué de faire un barbecue. Donc on a dit, bah, on va aller prendre un fast-food vite fait avec Papy Denis. On a mangé Becca. Il est quoi? Il doit être 9h15, quelque chose comme ça. J'arrive toujours pas à digérer, j'ai super mal au ventre, j'ai des coliques, enfin voilà, je sais que quand je mange de la MERDE, mon corps ne le digère pas. Je sais que je subis derrière, et pourtant j'ai pas fait la folle, hein. J'ai pris un burger au poulet, des frites et de l'eau, ben voilà, j'arrive pas à digérer, j'arrive pas. Donc j'ai hâte d'être demain que ça passe, et voilà. Donc bref, voilà, le sacrifice de tout ça, on fait que voilà, j'ai battu mon RP. La course du coup était sur les pistes Michelin. Donc en gros, c'était là où ils font les tests pour les pneus. Voilà, parce que nous on a Michelin chez nous. Et du coup, c'était sur ces pistes-là. C'était super intéressant parce que du coup, bah voilà, vous dites que vous êtes dans un parc mythique, vous êtes en train de faire une course de 10 bornes, donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de faux plats, pas mal d'arrondis et tout, bah voilà. Et mais il y a quand même beaucoup de faux plats et de petites montées. On se rend pas compte comme ça, mais quand on les court, on se rend compte. Hein. Et voilà, donc c'était super bien. Par contre, elle est très, très sur toutes les courses que j'ai fait. Ça a été la course la plus dure psychologiquement, dans le sens où c'est très grand, les circuits pour les pneus là. Et que quand vous êtes là, et que vous voyez au bout tout ce qui vous reste et que vous voyez encore des gens courir là-bas derrière, psychologiquement vous vous dites il reste de la borne, il reste quand même de la borne. Et voilà, c'était quand même un petit peu dur psychologiquement. En plus j'étais pas, voilà, j'étais fatiguée. Cette semaine j'ai pas fait des entraînements de foufou, j'ai couru 3 fois, mais c'était pas les entraînements que je fais d'habitude quand je suis en prépa pour ma course. J'ai loupé une séance en plus la semaine d'avant, donc voilà, j'ai mis 4 nuits, c'est rien que ça, de me remettre dans le rythme de jour rapidement comme ça, puis aller refaire une course normalement à 6h30. Qui s'y fait? Moi je suis pas très du matin, hein, pas du tout même. Je déteste les horaires de poste du matin. Donc moi je préfère 10 fois être de nuit que me lever le matin. Donc bref,
Voilà, je suis quand même super contente, ça s'est très bien passé. Voilà, je suis trop contente et je suis super fière de Papy Denis. Papy Denis qui n'avait pas couru depuis la Covid, a couru 2-3 fois vite fait avant de faire les 5 km. Parce qu'on se rend pas compte, hein, mais 5 km quand on court jamais, à 60 ans, et ben je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feraient et je suis tellement fière de lui. Il les a fait en 31 minutes, presque 32, mais incroyable. Incroyable, il y avait encore du monde derrière lui, donc je suis mais trop fière de lui. Bref, voilà, écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Aujourd'hui je vous ai pas trop pris puisque ce matin j'étais pas là, et cet après-midi j'ai fait machine, linge, machine, drap, rangement, et là il reste juste à faire passer Bob dans le salon. Je vais faire passer ce soir, que demain je me lève et que je sois tranquille et que je profite de mes journées, de faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai plus les partiels, donc ça veut dire que là par exemple demain je suis en repos, je rattaque que mardi soir, donc bah, j'ai le temps de me poser et de faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, écoutez, j'ai passé un bon week-end, j'espère que vous aussi. Je vais vous laisser là, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain dans une toute autre vidéo, un nouveau vlog. Racontez-moi en commentaire ce que vous avez fait de votre week-end, n'hésitez pas. Et dites-moi si il y a le soleil qui est chez vous, si vous pouvez lui causer de mots et lui dire de temps en temps, on aimerait bien aussi voir une apparition et qu'elle ne dure pas juste 24 heures. Voilà, cordialement. Bisous. A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo. La noche es nuestra, tómate tu tiempo. Le damos suave.